Bonjour, bonjour, ici Stéphane R. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Ma réaction, le match de la Ligue des Champions, sixième journée de la poule de la Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, Galatasaray, victoire du Paris Saint-Germain 5-0, une petite malita, ça fait vraiment du bien. On a vu une équipe Paris Saint-Germain très 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 sérieuse, avec une équipe parisienne qui a changé beaucoup de. Tu vois, elle a beaucoup changé, à part l'attaque. On a vu le petit jeune Kwasi qui a été très 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 bon. J'ai vu un très bon Paredes, un très bon Kurzawa dans un poste vraiment habituel, pas habituel pour lui. Sergio Rico, le deuxième gardien parisien, a rien à faire parce que Galatasaray a rien fait, quoi. Galatasaray, voilà, c'est vraiment faible. C'est vraiment nul à chier Galatasaray. C'est vraiment une équipe très 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 faible. Après aussi, j'ai très bien aimé nos trois attaquants. Un bon Icardi, un très bon Neymar qui revient à son meilleur niveau. J'espère qu'il va tenir. Un très bon Kylian Mbappé. Comme je dis, j'ai vu un très bon Paredes qui joue son deuxième match d'affilée, hein, titulaire, qui a été très bon. J'ai vu un très bon Sarabia qui a même marqué. Hein. Moi, je raconte un peu l'histoire du match à Paris. Paris, comme je dis, domine vraiment ce match avec des occasions de Neymar, de Mbappé. Et à la 15e minute, hein, voilà, Paris ouvre le score de Raça et Icardi. Monsieur, voilà, 100%, quoi. Même ce match-là, il a tiré que trois fois, mais il a marqué un but, encore une fois, sur une belle passe. Quoi, l'action, c'est une passe de Neymar sur Mbappé qui redonne à Icardi et qui marque le premier but. Après, même pas 25e minute, le Paris Saint-Germain marque le deuxième but grâce à Saramia qui met un petit bijou sur une belle passe de Neymar. Neymar qui donne dans le côté droit et frappe de Sarabia qui petit filet 2-0. Comme je dis, Galatasaray n'a rien fait. Ils n'ont même pas tiré une fois cadré sur Sergio Rico. Voilà, 2-0 à la mi-temps. Score logique. Deuxième période, même pas une minute de jeu. Occasion en or de Nodo de rapide, hein, voilà, sur une belle occasion de sur un 1-2 de Mbappé pour Neymar, et Neymar qui met son petit but de la journée. Voilà, ça fait 3-0, et après ça déballe 10 minutes plus tard. Paris met le quatrième but de Mbappé sur une passe de Neymar, encore deux passes décisives Neymar qui monte ses passes. Et là, pour moi, c'est le geste du jour, mes amis. Neymar qui laisse le penalty à Mister El Matador Cavani. Ça, c'est le plus beau geste de la soirée. Beau geste de Neymar, et voilà, félicitations aussi à notre Matador, notre meilleur buteur historique du club, hein, qui marque son 196e but avec le PSG. Magnifique de Matador, un petit penalty, voilà, ça fait du bien. Voilà, score final, une manita, une leçon de football. Galatasaray, et puis moi, je les insulte, les supporters Galatasaray qui jettent des projectiles sur les supporters parisiens. Bande de nuls, voilà, vous êtes des nuls, voilà. Voilà, Paris est en fort, et vous, 2 points, rien,
Je ne sais même pas pourquoi vous êtes en Ligue des Champions, vous êtes des nuls. Voilà, c'est tout. Bon, allez, mes amis, moi je vais vous laisser. Je sais, le Real Madrid, je crois qu'ils ont fait ma un match nul ou une victoire, je sais plus. 2-1, je crois. 2-1, mais voilà, mais Paris a été déjà premier de groupe avec 16 points à Paris, avec 5 victoires et un match nul. Voilà, c'est magnifique. Et voilà. Le tirage au sort, je crois que c'est lundi qui on va affronter. Ça, on verra ça lundi, quoi. Et voilà, quoi. Le prochain match du Paris Saint-Germain sont en Ligue 1. AS Saint-Étienne, hein, je crois. AS Saint-Étienne, Paris Saint-Germain. Et voilà. Voilà, mes amis. Bon, allez, mes amis, moi, je vous laisse. Encore, excusez-moi, je fais pas trop de vidéos parce que je bosse beaucoup. Et comme j'ai dit, j'étais malade, je reprends petit à petit, encore excusez-moi. Mais il y aura une vidéo spéciale avant la fin d'année, peut-être la semaine prochaine, vous verrez ça. Une vidéo spéciale, et ça, on verra ça. Voilà. Bon, allez, mes amis, moi je vous dis à dimanche pour le match AS Saint-Étienne Paris Saint-Germain contre, je crois, la 17e journée. Hein, 17e journée de la Ligue 1, et voilà. Bon, allez, mes amis, allez, ça fait trop plaisir de voir nos Parisiens comme ça jouer collectif, sérieux, et voilà quoi. Allez, mes amis, ciao et allez, Paris. Ciao.